Voilà, on vient d'ajouter notre app bar et là on essaie d'ajouter après les app bar. Vous voyez, c'est toujours dans les scaffold, hein? On a ajouté l'app bar dans les scaffold. Maintenant là, on va ajouter les containers. Body. Le body là maintenant c'est le corps de l'application. New container. Ok. Voilà. Notre container, on lui passe tout d'abord la couleur. La couleur. Make colors. Dot. Wow. Colors. Point. On cherche les couleurs ici. On lui passe d'abord ça. Ok. Voilà. Et quand j'enregistre, paf. Vous voyez? Voilà, donc on prend déjà cette couleur dans notre conteneur. Donc le conteneur s'assoit au-dessus des scaffolds et on fait disparaître les scaffolds. Ou sinon, il y a certains réglages qu'on peut ajouter. Par exemple, merging. Ok. Merging. Edge. Inset. Inset only. On dit voilà par exemple je mets bottom ok 10.0 je peux enregistrer vous voyez l'espace que je lui ai donné en bas là ok je peux mettre ici 35 pour bon 35 pour que vous voyez paf voilà. Donc, à la limite, en bas, il va laisser l'espace de 35 pixels. Ok, on part là-bas. On met top. En haut, je lui donne aussi 10.0. Et puis, je donne le right, la droite. Ok. 10.0. Et puis, je lui donne le left. 15.0 qu'on enregistre. Voilà, vous voyez les espaces qu'on a donné par-ci, par-là, tout ça. Ici, j'ai donné 15. Vous voyez, il a pris 15. C'est différent de là. Mais si j'ai remis 10 là-bas, et puis 10 là. Ok, voilà. Donc, en réalité, c'est dans les conteneurs que nous pouvons ajouter ce que nous voulons. Tout ça. Et il y a plein d'histoires qu'on devait voir, comment est-ce qu'on peut ajouter ça. Mais quand même, là, vous êtes en train de voir pas à pas que c'était dans les scaffolds où on a posé l'app bar et on vient encore poser les containers. Et c'est dans les containers où on va poser d'autres histoires que nous allons voir dans la suite.